Les marchés américains terminent de justesse dans le vert après avoir passé une majeure partie de la séance en territoire négatif. Le Dow Jones gagne 0,25%. Il met ainsi fin à 8 séances de baisse consécutives. Le Nasdaq de son côté progresse de 0,89% et le S&P 500 gagne 0,50%. Les craintes concernant une nouvelle récession aux États-Unis font surface dans la communauté financière et sur les marchés. Plusieurs indicateurs américains sont en nette baisse depuis plusieurs semaines. L'indice ISM pour l'industrie touchait un plus bas de 2 ans. Aujourd'hui, l'indice ISM pour les services, cette fois, touche un plus bas de 17 mois. Dans ce contexte inquiétant, l'once atteint des sommets. L'once d'or, pardon, atteint des sommets. Elle gagne 1% aujourd'hui à 1 660 $. Et le dollar recule face à l'euro sur le marché des devises. On est à 1,4319 $ pour 1 euro. Le seul indicateur positif du jour vient du cabinet ADP qui fait état d'une hausse plus importante que prévue des créations de postes dans le privé, 114 000 au mois de juillet contre une attente de 85 000. Ces chiffres arrivent 2 jours avant la publication du très attendu rapport officiel sur l'emploi et le chômage aux États-Unis. Du côté des entreprises, pour finir, les investisseurs font preuve de prudence et favorisent les secteurs les plus stables, même en temps de crise, à savoir l'alimentaire et les nouvelles technologies. Le titre Coca-Cola gagne 2%, c'est la plus forte hausse sur le Dow Jones ce soir. Et puis Research in Motion a lancé aujourd'hui sa nouvelle gamme de BlackBerry. Elle est bien accueillie. Le titre Research in Motion gagne 4,9% ce soir.